Voilà, c'était la coupure. Pas discrète du tout. Et on pète cette machine. Oui. Et là, cinématique. Juste à noter qu'elle non plus, on comprend rien à ce qu'elle. She's a good booster. Do what I do. Yeah, Raymond. Et donc voilà, on a libéré Lee, on a un nouveau pouvoir, et petit détail qui ne sert strictement à rien, c'est que vos tirs ne sont plus blancs, mais bleus. Non, non, cherchez pas, ça ne sert strictement à rien, ce n'est pas plus puissant, c'est juste oh, plus joli. Donc maintenant, on peut s'accrocher aux lums violets, exactement comme dans Rayman 1, sauf que c'était pas des lums, c'était des, oh, des anneaux flottants, marrant. Voilà, on tire dessus, et wouhou, ah. Donc ça s'appelle un fail. Pour des trucs que j'ai fait des milliers de fois, mais c'est toujours pareil, on veut montrer à un pote le jeu où on est en train de filmer, bah, des trucs tu bêtes, ça rate toujours. Voilà. Avec une pirouette, un coup d'hélico, et c'était classe. Un lume, ça fait toujours plaisir. Et voilà, dernière partie du niveau 2. C'est vrai quand même que le niveau 2 par rapport à, même au niveau qui est après est quand même un petit peu long. Hop là. Là. Encore une machine qui... Bon, je vais arrêter de le dire, tout le monde a compris. Mais... ou alors peut-être que le but des pirates est seulement polluer. Ah, ça se tient, ouais, vu que c'est que des machines, la pollution je pense pas que ça leur fasse grand chose. Ils vont éradiquer toute la population du monde de Rayman, c'est terrible. Oh la pollution. Mais c'est un jeu vachement engagé en plus. Mais l'écologie en avant. Faut arrêter les surinterprétations parfois. Voilà. Et 3 lums. Ouh là 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 là. Hop là. Là, ça donne pas envie de s'y baigner, franchement. Voilà, petite zone aérienne. Pas très longue. Mais... Oh, des champignons. Ces papillons, ils m'éclatent. Ils ont une tête, franchement. Voilà, tout le monde s'est fait capturer, mais pas nous, alors on est content. Ah, Murphy. Merci Murphy. Au revoir. Voilà, donc là, c'est la zone où je rate toujours les quelques lums planqués dans ces courants d'air géants. Il faut se laisser tomber, et on réactive.
Donc ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal si je termine ce niveau et qu'il me manque une caisse et 2 ou 5 lumes, je sais plus. C'est la caisse de tout à l'heure dont je vous ai parlé, on ne peut pas récupérer maintenant. Et ça, ça suffit pour me perturber, même si je sais très bien comment la récupérer plus tard. Faut pas oublier ce courant d'air. Voilà, on n'oublie pas le lume en bas. Faut pas hésiter à revenir en arrière si on a un doute, revenir dans un courant d'air. Ah, ah. Non. Ça aussi, ça n'arrive jamais, mais toujours quand on filme, etc. La loi des jeux filmés, ça rate toujours. Donc, oui, j'ai oublié de le dire, mais bon, vous l'avez compris. La quête principale maintenant, ce sera de retrouver les 4 masques pour. Pour les donner à un certain Polocus. C'est... Non, je suis désolé, ça se défend comme nom, c'est tout à fait classe pour le créateur du monde. Polocus, c'est-à-dire sérieusement. Et encore si c'était que le nom, mais bon. Non, je vais faire aucun commentaire sur sa tête avant que vous ne l'ayez vu. Vous comprendrez par vous-même. Il y a le nom qui va avec la tête. Enfin non, on ne devrait pas rigoler avec les créateurs du monde. Bon, oh, si. Alors, il me manque 2 lumes. Et il va me manquer une cage. Oui, hop, hop, hop. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça, c'est une dalle de porte. Et pour activer une dalle de porte, il nous faut la dernière cage du niveau. Qui contient un petit être. Là, on va avoir droit à une... Oh, il n'y a pas la petite musique sympa. On va avoir droit à une petite danse traditionnelle de petits êtres. Et parce que pour ouvrir la porte, il faut une danse traditionnelle de... Voilà. Wouhou! Rayman est toujours joyeux, hein. Tous ses potes sont fait capturer, le monde est pollué, il y a des pirates de partout, mais il danse n'importe quelle heure de la journée, il s'en fout Rayman. Voilà, je supporte pas quand un niveau est pas fait à 100%. Entrez pour continuer. Voilà, sauvegarde. Ah, c'est pourquoi cette porte est jaune, elle devrait être rouge, elle est terminée à 100%. Alors, on va faire le troisième niveau, où on va rencontrer un nouvel ami de Rayman, un endroit où on ne peut pas encore aller, encore un, et... Pourquoi je vous raconte tout à l'avance, moi? Marécage. Eh bien, on va aller à gauche, pour vous montrer cet endroit où on ne peut pas aller tout de suite. Ah, au fait, si on tire sur les piranhas, on leur casse les dents. Ça ne sert à rien. Dans le 1, on pouvait faire ça aussi, c'était assez drôle. Ah, mais si, il y a un lumps. Et là, il y a des créatures franchement glauques. Non, franchement. Truc, voilà, ça. Et ça sort du sol lentement et ça vous fonce dessus, c'est... Par contre, ce qui casse tout, c'est... Bah... Ah bon. Ce qui casse tout, c'est que c'est un poulet zombie. Oui, c'est vraiment un poulet zombie, c'est marqué dans la notice. Vous entrez en territoire inconnu, tourisme déconseillé. Toujours les pancartes d'affichage des pirates, sont assez marrants. Qu'est-ce que c'est? Des yeux. Et là, il y a un mec bizarre et une porte. Allons voir. Voilà, ça c'est fait. Pas cool le videur, parce que c'est un endroit secret que personne ne,
ne connaît de base, mais si tu es rentré, tu es obligé de connaître le nom d'un endroit que tu n'as jamais vu. Voilà, c'est réservé aux mêmes VIP toute l'année. Je me demande quelle espèce de mec glauque peut bien passer ses journées là-dedans, mais bon, c'est pas grave. Vu la tête du mec, ouais, c'est, vaut mieux pas se poser la question en fait. Hop, faut surtout pas tomber dans cette vase verte. Hop. Donc le niveau est pas... bon, pas super long. Ah, une caisse dans l'eau. Enfin, ouais, une cage dans l'eau, c'est la toute première. Et voici... Sam. Hop là, c'est la partie fun avec des musiques sympas, un peu. Oh mais sérieusement, c'est pas une bonne idée de parler finalement. Voilà, on peut accélérer en restant appuyé sur contrôle et il ne faut pas se faire toucher. Comment? Oula, les gros pièges. Hop. Oh, wow, 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 wow. Ah. Un truc assez sadique. Alors, hop là. Voilà, 10 cages. Alors, à chaque fois qu'on récupère 10 cages, notre barre de vie augmente. Oh, il pouvait pas faire tout le jeu avec une petite barre de vie comme ça, le pauvre homme. Hop là. Ah, du premier coup. Yeah, c'est funky la musique. Bon, il reste plus que 3 minutes après je suis dans l'illégalité selon YouTube. Si j'arrive franchement à terminer ce niveau du premier coup avec tous les lums et terminer avant que YouTube n'accepte plus ma vidéo. Oh, putain. Je suis trop fort. Eh bien non. Niveau, il n'y a pas moyen, je l'ai fait des centaines de fois, mais je meurs toujours au moins une fois, ou deux, ou trois, ou beaucoup de fois. Wow. Ah oui, ça va très vite, ça. Oh, mais... oui, non. Ne vous en faites pas, je vais pas mourir plus de 2, 3, 4, 10. Je vais arrêter de monter. Voilà. Bon, c'est pas une zone plateforme, mais la loi des jeux de plateforme s'applique ici. On veut à tout prix faire vite. Et du coup, on bug. Oh mais, franchement. Là, j'aurais pu terminer dans les temps la vidéo et tout, ça aurait été magnifique. Mais non. Bon, petite transition.